Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Outlast 2. Voilà, je pense que c'est l'épisode 4, ça doit être un truc comme ça. Et ouais, épisode 4 de ce Let's Play sur Outlast 2, j'espère que il vous plaît toujours autant ce Let's Play. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits pouces bleus, voilà, ça fait toujours plaisir. Et la dernière fois, on avait rencontré Ethan, voilà, c'est pas Ethan de Resident Evil 7, hein, c'est Ethan, le père à Jendo. Donc Jendo, c'est la meuf enceinte qui s'est fait tuer, voilà, et sur qui on enquête. Donc on est toujours avec Blake Langerman, le héros du jeu. Et ouais, il nous avait aidé à échapper à Martha. Donc Martha, c'est la folle avec sa pioche qui veut nous péter les couilles, là, qui veut nous mettre la pioche dans les parties génitales, on va dire. Voilà, et juste avant, on avait fait un bond dans le temps. Enfin, c'était un truc dimensionnel et tout. Alors que là, je vais vous reprendre vite fait en jeu, parce qu'il y a le mec, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait ouvert la grange, et il nous cherche avec sa lampe torche, là. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu éloigné. Ouais, il nous cherche avec sa lampe torche, tu vois. Il va falloir faire gaffe, attention. Attention, attention. Donc on avait fait un bond dimensionnel, on était revenu en arrière à l'époque du collège. Et il y avait un mec chelou qui nous avait couru dessus et tout. Et j'en reviendrai sur quelques petits trucs juste après aussi, à vous dire. Se cacher. Voilà, vas-y, cache-toi. Cache-toi, cache-toi. Ouais. Toi, tu me dis cache-toi dans le sang, moi je me cache dans le baril. Je peux pas me cacher dans le sang. On peut jeter un coup d'œil comme ça. Alors, il est où le mec? Je le vois pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je pense qu'il va peut-être revenir par là. On va voir. Bah écoutez, je vais en profiter pour vous dire les petits trucs que j'ai à vous dire. Donc la dernière fois, j'avais dit Knot, là, j'avais dit que c'était la meuf des démons, là. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est le père Knot, c'est celui qui dirige. Enfin, je sais pas s'il dirige, mais... voilà, il est avec les autres, là, la secte, dans l'église. Je sais pas où est-ce qu'il est. Oh, je crois qu'il est là. Il arrive. Attention. Cache-toi. Il arrive. Il est juste là. Oh putain, il passe par là en plus. Oh, on a bien fait de se barrer. On sort ou pas? Allez, on sort. Vite. Vite, vite, vite. Cours, 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 cours. Cours dans la grange. Alors attention. Parce que Iceman, il a avancé un petit peu, lui, de son côté. Il m'a dit que ça allait être chaud dans la grange. Va falloir faire gaffe. Vas-y. Tire ça. Ça sert à quoi de faire ça? Je sais pas. Faut faire quoi, là? Non. Je voulais pas faire ça. Reprends la... Voilà. Se cacher. Faire quoi, là? Je sais pas ce qu'il faut faire. Il revient. Vas-y, cache-toi. C'est en mode d'infiltration, là, les amis. C'est chaud. Donc ça risque d'être un épisode assez long, parce que c'est le seul de la semaine, hein. Il sort jeudi, cet épisode, et il n'y en aura pas d'autres cette semaine, parce que c'est une vidéo tous les deux jours sur ma chaîne en ce moment, cette semaine. Et donc on se retrouvera normalement lundi pour un nouvel épisode après. Alors, où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Est-ce qu'il peut me voir quand je fais ça? Je sais pas. Putain, c'est chaud. C'est chaud, les amis. Vas-y, sors. Comment on fait pour sortir, déjà? Sortir, vas-y. Hop. Il est parti. Ok. Donc avec ça... Il revient. Oh putain, il revient, je crois. C'est une blague. Casse-toi. Bon, c'est bon. Vas-y. À mon avis, il faut pousser ça vers l'échelle, là. Je pense. Quoi? Quoi? Mais c'est une blague! Il me voit là?
Il est où? Il est là. Putain, mais comment on peut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Je sais pas ce qu'il faut faire, les amis là. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est bon, tu te barres cette fois-ci. Ah, mais il y a une porte là, j'avais pas vu. Ah ouais, forcément elle est bloquée. Ça va être trop simple. Il est là. On peut monter dessus ou pas? Oui. Vas-y, monte. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Yes. Ok. Je pense qu'on a passé la partie la plus chiante, j'espère. Ok, vas-y, grimpe là. On passe par là. Oh! C'est quoi ça? Bonjour. Oh. Il y a quelqu'un. Ah, c'est peut-être le mec en bas. Attendez, il y a une note. Donc. Hop, on va la lire. Texte lisible. 7 janvier. Aujourd'hui, nous avons envoyé trois autres membres vivre parmi les galeux. Leur plaie était trop bourgeonnante pour être couverte. Ils ont eu 7 enfants entre eux et Papa Knot. Voilà, c'est lui, Papa Knot, c'est le père Knot, c'est celui qui est dans l'église, hein, le prêtre. Me les a tous confiés. J'ai maintenant plus de 40 orphelins, waouh, sous mon aile, qui m'aiment désespérément, comme seul on est capable. Un enfant abandonné par ses parents dont il pensait que l'amour était aussi naturel et certain que le lever du soleil. Et je les aime. Je n'aurai jamais d'enfants et j'ai tant d'amour à donner. Lorsque Dieu les abandonnera, ils trouveront mon confort et mes conseils. Quelle est la signification de ces rêves? Bonne question. Ok. Ok. Il faut tirer sur ça, mais l'autre il va m'entendre. Il est juste là. Bonjour monsieur. Ou madame, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tire là-dessus? Mais l'autre il va m'entendre là. Bon, vas-y, on va tirer. Tirez. Qu'est-ce que ça? Oh! Putain de merde! C'est quoi ça? Oh, c'est dégueulasse! Oh, putain! Bande de psychopathes! C'est vraiment des malades, hein. Vas-y, on se casse de là, là. Oh, putain. Ça pue, ça. Non! Pourquoi? Je suis où? Oh, putain, vite. Monte. Monte. Pourquoi t'es tombé, mec? Alors, attends, on va se soigner. Comment on fait déjà pour se soigner? Est-ce qu'il me reste des... peut-être à la chapelle. Utiliser bandage. J'ai pas besoin de bandage, tu te fous de ma gueule, vu comment je me suis amoché là. Bon, s'il dit qu'on n'a pas besoin de bandage, eh ben on va l'écouter, hein, écoute. Du coup. Tu te casses pas la gueule cette fois-ci, s'il te plaît. Attendez, parce que l'autre il est là. Hein. J'ai peur qu'il me voit. Regardez, il est juste là. Bonjour. On va attendre qu'il reparte de l'autre côté. Pour être sûr. Vas-y, ressort dehors. Allez. Attends, monsieur. Vous pouvez sortir. Faut aller faire caca. Donc n'importe quoi. Allez, monsieur, sortez. Voilà, merci. Au revoir. Allez, on passe vite. Attention. Doucement. Pas de bêtises. Quoi? Oh! Fuck! Oh! Oh putain, c'est dégueulasse! Mais qu'est-ce qui... Pourquoi le truc il est revenu là? C'est quelqu'un qui l'a poussé, je sais pas. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain. C'est vraiment un jeu de fou, ça, encore.
D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Un petit bémol sur ce jeu qui me fait pour l'instant pas tellement flipper. Enfin, si, il fait flipper quand même, mais je le trouve moins flippant que Outlast 1 pour le moment. Parce que peut-être c'est plus comment c'est plus en monde ouvert, en extérieur pour l'instant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quand c'est dans les endroits fermés et tout, pas beaucoup espacés en intérieur. Et là, pour l'instant, en monde ouvert comme ça, enfin monde ouvert. Avec des grands espaces comme ça, pour l'instant, ça fait pas vraiment flipper, quoi. Enfin, si, ça fait flipper, mais... Enfin, vous m'avez compris. Pour l'instant, c'est une petite déception, mais rien de... Rien de ouf, hein. Bonjour. Vous êtes qui? C'est Martha? Je sais pas. Ouais, donc Martha qui est avec les... avec les... la secte, hein, avec Knott et tout. Ok. Alors... Âme du Christ, prépare-moi, Père Knott, guide mon salut, sang du Christ, laisse-moi boire ton vin, par l'œil tranché, donne-moi la vue, ange de Dieu, prête-moi ton épée, doux Jésus, entends ma prière, soigne-moi dans tes plaies, garde-moi près de toi, défends-moi d'un monde mauvais, et prépare-toi à l'heure du diable dans la communion du Temple Gate. Donc Temple Gate, c'est je pense que c'est la ville où est-ce qu'on est, hein, Temple Gate. Je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Que je puisse défendre ta création jusqu'à ce que tu m'accordes le repos. Amen. Amen. Ok. J'aimerais bien des piles. Se cacher. Pourquoi on aurait besoin de se cacher là? Ça partira en couille. Je le sens. Pour qu'ils nous disent de nous cacher. Je sais pas. Putain, c'est... On voit que dalle, là. Il y a une lumière, là-bas. Hé hey, c'est qui, monsieur? Madame? On peut zoomer. Bonjour. Quoi? Quoi? Oh non! On va encore aller dans une autre dimension, là. What the fuck? Il se passe quoi? C'était quoi, ce bordel? Putain, mais... Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce jeu? Il s'est passé quoi là? Putain, je comprends rien. Quoi? Il filme un truc? Tu filmes quoi? Je sais pas. On va laisser filmer. Alors, dis-nous tout. Un enseignant m'a dit une fois que le chant des oiseaux était la preuve que Dieu existe et nous aime. Ah, moi, le chant des oiseaux le matin, ça me fait plus chier qu'autre chose, mais bon, si tu le dis. Où est-ce qu'il faut aller là? Il y a un endroit ici. On va déjà aller fouiller là. Il doit bien y avoir un autre accès. On va peut-être éviter. Putain, on a plus de piles déjà. On a bientôt plus de piles. Non, on va peut-être passer par là en fait. Je pense que c'est mieux, hein. Faut pas se casser la gueule de l'autre côté. Putain, mais on voit rien. C'est ouf. Oula. J'aime pas trop cet endroit. On entend des bruits. What the fuck? On va où là? Faut grimper. Je pense. Peut-être par là. Vas-y, monte. Monte. Voilà. Allez, c'est l'heure de l'escalade. On n'a pas besoin de la pile pour le moment. Passer par là. Ouais. On a vu une tache de sang. Bien sympathique. Hein, ça inaugure de belles choses pour la suite. Faut sauter là. Ah oh. Je suis fait bobo. Il fallait aller où là? Attendez. On va recommencer. Fallait faire quoi là? Fallait bien sauter là. Ah, donc la tache de sang est là. Fallait continuer à... Ah là, j'avais pas vu, désolé. Faut sauter là, je crois. Non? Ah non, il fallait continuer juste... D'accord, il fallait juste continuer là. D'accord. Ok. Ok. Tu peux monter, s'il te plaît, merci. Ensuite, qu'on se foire pas, je pense que c'est... Là-bas, il faut sauter, hein. Saute! Ouf! Yes. Vas-y. Buongiorno. It's me, Kero. Enfin, Blake. Blake Langerman. Faut aller où? Faut encore monter? Ouais.
J'aimerais bien des piles, s'il vous plaît. Ça serait bien. Oula, 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 oula. Oh, oh, oh. Doucement. What? Recharger. Ouais, vas-y, recharge. Avant qu'on s'aventure dans cette grotte, là. J'aime pas. J'aime pas ça. Quand je vous ai dit les... Quand je vous disais les endroits clos et tout, là, ça y est. Je commence à stresser, à me sentir pas bien, là. J'aime pas ça. Il y a un monstre qui va nous sauter à la gueule, là. On devrait allumer ça. Oh, y a pas de bruit pour l'instant. Wow, wow, wow. Ah. J'aime quelque chose. C'est quoi ça, hein? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le temple de je sais pas quoi. Le temple du diable, peut-être. Ah, je pense, oui. Ou du putain de sang de souffrance. Vous savez ce que je pense, hein? Je pense qu'on est allé dans le repère des autres, là, des hommes arbres ou je sais pas quoi. Parce que regardez ce qu'il a sur la tête, lui. Ouais, je pense que c'est leur repère. Ça pue. On va voir l'autre qui nous a galoche aussi. Oh, putain. Une sorte de temple hérétique. Ouais. C'est leur repère ici, je suis sûr. Oh putain, ça pue. Donc quoi? J'ai entendu un bruit. Donc quoi, on s'aventure encore dans ce jeu là? Oh, il y a des crânes partout et tout. Oh, mais c'est quoi ça? Oh putain. C'est quoi ces bruits là? Il y a une pile, je crois. J'ai vu. Monsieur? Vous allez pas vous relever hein, quand je vais prendre la pile. Ça va. Oh putain, je le sens pas du tout ici. Ça pue, hein. Cet endroit, il pue. Faut aller où? À part ça. Je sais pas. Peut-être monter. Oh, oh, oh. Doucement. Faut sauter là? Non. Faut monter là plutôt, je pense. Je peux pas monter là? Qu'est-ce que... Ah, le mec il fait des sauts de côté à chaque fois. D'accord. Si, faut que je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille. Hein. Allez, go! Il a pas voulu sauter! Merci, Blake! Putain, mais quel mongol ce mec! Je sais pas, il a pas voulu sauter. Peut-être c'était pas par là qu'il fallait aller, hein, je sais pas. Hein. Oui, tu l'as déjà dit, ça, on s'en fout. Une sorte de temple hérétique. Vas-y, prends la pile. Ah, peut-être par là en fait, ouais. Non, en fait, c'est moi qui a été con. C'est là qu'il faut sauter. Accroche-toi. Ok. Vas-y, monte. Bonjour. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Sauvegarde. Non. Non, ça pue. Il va se passer un truc. Je sais pas si Iceman il est allé si loin que ça. Enfin, je pense. Hein. Je pense qu'il est déjà arrivé jusqu'ici. Parce que des fois, j'aime bien le raconter. Alors que toi, qu'est-ce que t'as fait et tout. On aime bien se dire ce qui s'est passé dans nos épisodes. Et... Je sais pas s'il est arrivé là, je pense. Bref, on avance. Non, non. Quoi, quoi, quoi? C'est qui? C'est toi, Lynn? Parce que Lynn, elle s'est fait choper par les hommes arbres, là, avec l'autre, là. Donc ça se trouve, elle est là. Oh putain, c'est qui ça? C'est qui ça? Madame! Vous êtes où, madame? What? What the fuck? Elle était là? J'ai pas rêvé! What? Il y a bien une dame pendue ici, là. Je suis pas fou. Ça, je commence à péter à péter un plomb sur ce jeu, là. What the fuck? Vas-y, avance. J'allais dire cul-de-sac. Non. Ah. On entend pas Père Knot. Père Knot.
Et là-bas, la chapelle. Il faut que ce soit la chapelle. Putain, mais où est-ce qu'on s'aventure, là? On passe à des endroits, là. Vas-y, avance. Ouais, Dieu vous aime. Hop. Bonjour. Ok. Faut aller où là? Faut descendre, je pense. C'est trop calme depuis un moment. Et j'aime pas ça. Mon avis. Ça va vite partir en couille là. Pas des trucs ici. Je fouille un petit peu. Hello. Oula. On est revenu dans les... Il y avait les prisons là, les cages, non? Dans l'église. Je sais pas. Quoi? Quoi? C'est qui ça? Bonjour. On est où là? Je suis bloqué. Faut que je fasse quoi là? Faut que je revienne en arrière? Faut sauter là? Je sais pas. Non? Bah, faut que je fasse quoi là? Vous êtes sûr? Faut pas monter. Non, je peux pas monter là. Attendez, il y a un truc que j'ai loupé là. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis bigleux ou comment ça se passe hein? Faut que je fasse quoi? On passe par là? T'es sérieux toi? Ah d'accord, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut que je fasse quoi là? Il y a un truc à lire. Vas-y, prends. Alors qu'est-ce que ça dit ça? Ça parle de Papa Knot, j'ai vu. 9 mars. D'autres enfants morts. Knot dit qu'il n'y a aucun péché dans ces infanticides car ils sont tous des soldats de l'armée de Dieu, des martyrs tombés sur le champ de bataille pour défier le démon. Tous ces bébés à la gorge tranchée et à la chair carbonisée nous attendront immaculés au paradis. Papa Knot dit aussi que nos péchés nous trouvent dans nos rêves. Nos péchés nous trouvent dans nos... What? Ah, il se répète dans nos rêves. Mes rêves ne me contiennent rien d'autre que le meurtre de mes enfants. Et je me réveille en riant, excité et souvent mouillé de l'involontaire convoitise du sommeil. Je me suis réveillé ce matin en pensant être trempé du sang de la gorge tranchée d'un enfant. Mais j'étais trempé de ma propre pollution nocturne. C'est dégueu. Les autres ont des rêves similaires. Nous avons creusé un tunnel afin que nous puissions... Nous rencontrer en secret, nous nous ressemblons, partageons nos visions et réfléchissons à leur signification. Je crois qu'il s'agit d'un message, mais celui-ci n'a rien de sacré. Sympa. Sympa, sympa tout ça. Ça a l'air d'un vrai psychopathe ce Papa Knot. Hein. J'ai pas envie de le rencontrer en fait ce Papa Knot. Super Knot. Ah, j'avais pas vu ça. Oh. Ils sont tous en position fœtale là, en brochet comme ça là. C'est dégueulasse. On va changer la pile. Hop. Déverrouiller, ouvrir. Vas-y. Bonjour. Oula. Il fait sombre ici. Vous connaissez la lumière? Les lampes? Non, vous connaissez pas ici. Oh. Oh putain. Ça pue. On peut rien ouvrir, déverrouiller, non, je sais pas. Y a pas des piles? En fait, dans ce jeu, c'est les piles, la vie, quoi. Oh, il y a encore Bobo Junior. Lui, c'est Père Knot, je crois. Hein. Gros lard, là. Ouais, je pense que c'est Père Knot. Oh, une poupée. Magnifique. J'ai horreur de ça. Je sais pas, les poupées dans les jeux d'horreur, c'est... Ça pue, quoi. Alors, on continue à... Oh, putain. Oh, Knot, c'est toi? Mais t'avais dit qu'on ferait des Knotis. Pardon. Ouais, pardon pour cette blague. C'est le jeu, il me rend fou. On peut pas jouer de la guitare. Ding 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 ding.
N'importe quoi. Je deviens fou. Alors, on a vu qu'il y a un truc à dire ici. Vas-y. Donc. Oula, il y a de la... Putain, il y a deux pages. Sullivan, papa, Ézéchiel, menteur. Charlatan, temple de la goutte, toxicomane, lâche, violeur, tueur d'enfants. Waouh, putain. Je suis parti et j'ai pris avec moi tous ceux qui avaient le courage de voir la vérité. Viens nous chercher, viens nous traquer, nous attendons et sommes prêts à tuer et baiser tous ceux que tu enverras au sommet de la montagne. Sympa. Je ne te déteste pas, je suis... Jésus pourrait-il haïr le Baptiste parce qu'il est juif? Je n'aurais pas pu trouver ma véritable vision sans tes années d'ignorance et de conneries. Je n'aurais jamais eu le courage de chercher la vérité sans la colère créée par tes mensonges. Ton Dieu est une superstition d'enfant. Ta foi est une honte. Les signes du véritable Père étaient devant toi, devant nous tous. Et toi, vaniteux, crédule, trop stupide pour respirer, tu pensais que ces visions étaient la punition d'un Dieu en colère et tout-puissant. Ton Dieu a peur, car ton Dieu n'est pas un dieu et du tout. Ton dieu est un propre ego faux et vulnérable, une honte. Donc ouais, ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est très penché sur la religion et tout. Donc voilà, tous ceux qui croient en Dieu ou même ceux qui ne croient pas, faut prendre ça au second degré. Hein. C'est un jeu vidéo, il faut pas, voilà, il faut pas généraliser quoi. Mon dieu n'est pas un dieu du tout, mais il est vrai, il est là à chaque moment d'extase et son enfant va baisser et déchirer ce monde jusqu'à la gloire éternelle. Sympa. Suivant. Je ne te demande pas de te joindre à nous, je te dis, tu vas te joindre à nous, car notre amour est plus grand que tu ne pourras jamais l'imaginer. Val. Ok. Ouais, donc il faut pas prendre ça au premier degré, hein. Surtout pas. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Tu peux pas ouvrir? Pour interagir. Ah, d'accord. On peut pousser ça. Ça fait quoi? Je sais pas. Vas-y, repousse. What? Ah non, par là, ok. Allez, vas-y. Sur quoi ça va déboucher tout ça? Je sais pas. Ouvrir. Bonjour. Oh putain, ça y est, ça repart en couille. Ils sont en bas, les partisans du Perknot. Super. Faut vraiment descendre là. Aïe. Ça fait mal quand même. Déjà aller ici. Ah, des piles. Yes. Ça se plaise. Les petites piles. On va écouter. Oula. J'ai entendu un bruit par là. C'est peut-être un ascenseur. Oh. Ah non, c'est lui qui a parlé. Je crois que c'était... C'est ça ? Je crois, oui. Putain, il m'a fait peur, lui, il a parlé. Je crois que c'était quelqu'un qui parlait devant moi. Attends, on fait plus jamais ça toi. En plus le mec il parle tout seul quoi. Super. On peut pas aller par là. Bon écoute, on va écouter ce qu'il dit. Vas-y. Let's go. Ah, forcément. C'était quelque chose. J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. J'avoue. Ouais, j'allais dire ça allait être trop simple. Tu montes direct en haut, mais ouais, ils ont pas mis ce chemin là pour rien, il va falloir trouver des fusibles ou un truc d'alimentation pour l'allumer. Vous devez quoi? Vous devez redémarrer le générateur. Ouais. Il va falloir trouver des trucs. Ok. Let's go. On va où est-ce qu'il y a le mec. C'est génial. Oh! C'est qui crie là? Qui? Moi? Non! C'est pas vrai! C'est pas moi! Oh, c'est qui ça? Non, c'est pas Martha, ça. C'est quelqu'un d'autre. Madame, vous êtes gentille. J'entends des portes claquées, là. Vas-y, ouvre. Putain, mais il fait vraiment sombre chez vous. Hein. Vous connaissez pas l'électricité. Hein. Vas-y, ferme. Hop. À ta gueule. J'avais cru voir un truc ici, mais non. J'aime pas trop ça. Oh! Il y a Jésus. Enfin, je crois que c'est Jésus. Hein. Moi, j'y connais pas trop dans la religion chrétienne. Je crois que c'est qu'on peut ouvrir ici, si on veut.
peut descendre en bas. Vous aimez les guitares ici, hein. Alors, on va descendre en bas. Là, doucement. Y a pas un truc pour l'ascenseur ici? Ok, là c'est bloqué. Y a vraiment rien ici, vous allez me dire? Non, c'est pas possible. Il doit certainement avoir un truc, des bandages, des piles, je sais pas. Y a vraiment rien. Foutez de ma gueule. Non, non, y a rien. Bon, ok. Ok, ok. Du coup, on va ressortir d'ici. Attention quand même. Elle est toujours là-bas, l'autre folle, non? Oui. On va éviter d'aller vers elle, je pense. J'entends personne. Pas des piles cachées, là? Non. On va aller dans cette petite cabane là. Y a rien ici. Non. Ah, Iceman, il m'a dit que j'avais loupé des trucs aussi dans le précédent épisode. Moi, j'ai pas assez fouillé. Et là, je vais essayer d'un petit peu plus fouiller. Même si, bon, c'est chaud quoi, de tout fouiller quoi ici. Je sais pas trop où aller. Bon, réjouissez-vous. T'es marrant toi. On peut passer là? Vas-y, saute. Genre, tu peux pas sauter ça, mec. T'es sérieux? Peut-être sauter par-dessus ça. Ah oui, voilà. Ok. Attention, elle est là, l'autre, hein, je crois. Putain, déjà plus de piles. Ça part tellement vite, les piles, dans ce jeu. C'est pire que le 1. Ça partait pas aussi vite, les piles. Hein. Quoi? Ta gueule! Faut aller où? J'entends quelqu'un. Oh! Genre, tu m'as pas vu, mec? Recharge, vite. Vite. Il est où, le mec? Je sais pas où est-ce qu'il est. Toi, tu me fais rien, toi. Cette maison, j'étais voir ou pas? Je sais plus. Oh! What? Je pouvais faire quoi, là? Je suis mort? Oui? Non? Oui? What the fuck? C'est là-haut, c'est ça? What? Ouais, donc ça tu vas dire ça marche pas. On va voir. Oh, faire quoi là? Je pouvais faire quoi? J'espère que cette putain de machine ne fonctionne pas aux prières. Fallait que je fasse quoi? Donc c'est cette maison là. Il est dedans, le mec. Ouais, il est là. Et je pouvais faire quoi là? Attendez, je vais retourner voir. Regardez, il est là. Bonjour. Ouais, je pense que dedans on peut pas rentrer. Je vais réessayer. Mais là je crois que on peut pas. Oh, oh putain. Ouais, je pense que on peut pas. Hein. C'est définitivement mort ici. Ouais. Putain. Il faut faire quoi alors? Faut que j'aille voir la meuf. C'est peut-être un ascenseur. Ouais, bon là tu vas me dire pareil. C'est là-haut, c'est ça? Peut-être qu'il y a moyen de contourner, je sais pas. Ah bon, toi. Ah, peut-être par là. Oh, recule. Il va aller où, là, le mec? Tu passes par où? Tu vas où? Tu vas où, monsieur? Ok. Vas-y, vite. Madame, vous laissez tranquille?
sainte nous délivrera de la mort. Ok. Si ça te dérange pas, je vais aller juste aller voir ici. T'es gentil. Oh putain, c'est quoi ce jeu? Y'a personne pour nous attaquer ici? Je sais pas. Y'a rien là, non? Vas-y, ouf. Bonjour. Vas-y, passe. Alors, c'est ça. Oh putain, j'ai eu peur. Quel hôtel est là-bas? Non! Oh, y'a quelqu'un? Se cacher. Heureusement que j'ai ouvert la porte doucement. Imaginez, je l'aurais ouvert. C'est quoi ça? Impossible de porter. D'accord. Et il a un truc, lui. C'est des piles? Je te prends juste tes piles, hein? Tu continues à dormir, monsieur. Je repars d'où je viens. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ok. Vas-y, ouvre. Mais... ouvre. Voilà. Wow. D'où je viens, moi? Voilà. Putain, ça va être chaud de tout fouiller là. Oh. Hérétique. J'ai entendu quelqu'un ouvrir. Dis ta mère. Vas-y, viens, viens te battre. Viens là. Cours, 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 cours. C'est bon. Putain. Il y a des gens ici, j'ai pas vu. Putain, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bonjour. Il va venir là. C'est bon, il est parti. J'ai peur. Il a ouvert une porte. C'est bon, je crois qu'il est parti. J'espère. Oh, putain, mais les piles. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai tout fouillé ici, je crois. Ouais. Il n'y avait rien de spécial. On va retourner voir en bas parce que vu que j'ai speedé. Du coup, alors doucement. En plus, je vais pas tarder à vous laisser parce que ça va faire 40 minutes de vidéo là. En même temps, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah. Bloqué. Ok, donc ici, il y avait rien de spécial. Putain, il y a l'autre qui rôde dehors là. Ça va être chaud. Quoi? Attends, j'ai peur là de sortir. C'était sûr. Hop, au revoir. Ah, comment j'étais brain. Alors, on peut se cacher là? Vite.
À mon avis, il va me trouver ici, hein. Putain, mais c'est chaud, faut aller où? Ah, ils montent trop espacés comme ça, là, les jeux d'horreur, je déteste ça. Tu sais pas où est-ce qu'il faut aller à chaque fois, et c'est mal indiqué et tout. Vas-y, éteins. Faut pas gâcher des piles. Où est-ce qu'il faut aller? Il arrive. Il va venir là, c'est sûr. Oui, non. Je vois sa lampe torche. Vas-y, on sort, on est des fous. Putain, mais il faut aller où? Sérieusement. On peut pas avoir les objectifs quelque part là. Attendez. Je dois faire fonctionner l'ascenseur. Oui, ça j'ai compris, mais il faut aller où? Donne-moi des indices, où est-ce qu'il faut aller, je sais pas. Par là. Je sais pas si on a été ici déjà. Vas-y, rentre. Bonjour. On va te laisser tranquille, madame. Je cherche juste un truc pour l'ascenseur. Faut rire avec leur chanson là. Je voudrais des piles aussi, ce serait bien. Ta gueule, tu vas nous faire repérer avec ta chanson. Là. Oh putain. On va monter en haut, je pense. J'aimerais bien trouver un truc pour l'ascenseur là. Attention. Ok, ici je pense qu'on risque rien, il y a un truc à lire. Vas-y, ramasse. Alors, qu'est-ce que ça dit? Siméon, je dois te parler dans le plus grand secret car tu t'y connais en onguent et autres médicaments. J'espère que tu sais que je n'échange pas plus de mots que nécessaire lorsque nous visitons le monde d'années. Pour aller acheter de l'essence, des composants électriques et tout ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Je me suis pris d'amitié avec le jeune publicain qui nous vend des pilules dont papa a besoin. Et quand j'ai dit qu'il s'agissait d'outils d'études, le garçon s'est mis à rire et m'a dit qu'un corps n'avait pas besoin de pénicilline pour étudier, à moins qu'il étudie les chattes. Putain, n'importe quoi. As-tu entendu parler de telles choses? Je ne veux pas demander à papa. Par peur de je ne sais quoi, mais je ne veux pas l'empoisonner accidentellement non plus. Viens me voir, John. Ok. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste voir ce qu'il y a ici. Vas-y, ouvre. Autant le. Oh, ça se trouve. Ah, c'est ça, c'est le générateur. Démarrer. Ça doit être ça. Si je peux retrouver mon chemin vers l'ascenseur. Vas-y, tiens. Yes! On l'a redémarré! Sauvegarde! Ok. Bah écoute, on va se laisser là, à moins qu'il y ait quelqu'un. Oh! Putain, j'hallucine! C'est quoi ça? Quelqu'un. Oh! C'est toi, Martin? What the fuck? Oh, la grosse frayeur en fin d'épisode là! What? Oh putain, je m'attendais pas du tout là. Oh mon dieu. Oh putain. Avec mon ombre qui. On entend l'autre qui. Qui parle. Attendez, on va peut-être s'enfermer parce que j'ai peur. Vas-y, ferme. Ferme la porte. Oh là là, ce jeu. Bon, on va mettre sur pause. Voilà. Et puis, bah, j'espère que cet épisode 4 vous aura plu. Et
Oh là, mon Dieu, cette frayeur à la fin là. Donc ok, on a pu redémarrer le générateur, donc du coup il faudra retrouver le chemin pour aller jusqu'à l'ascenseur. Je pense que ça va être périlleux là, il va falloir se retaper tous les bonhommes et tout sur le chemin. Ça va être chaud pour le début de l'épisode 5 lundi. Et du coup portez-vous bien tout le monde, n'hésitez pas à commenter cet épisode si vous a plu, à laisser des petits pouces bleus, voilà ça fait à chaque fois plaisir. Et n'hésitez pas à me donner des conseils sans me spoiler tout sur la suite, non, mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils si j'oubliais des trucs sur mon chemin, quoi, j'y reviendrai pour aller les chercher, que ça soit des piles, des notes ou quoi, voilà. Et d'ici là, portez-vous bien tout le monde, c'était Kero, et on se dit à très vite les amis, allez, ciao ciao.